Bonjour les enfants, l'EBI vous présente encore une leçon de notre thème, le saviez-vous? En apprenant avec les héros de la foi. Et aujourd'hui nous allons nous rappeler de Moïse. Connaissiez-vous que quelques caractéristiques de Moïse étaient la confiance dans la protection de Dieu, humble de cœur, persévérance et leader? C'est ça! Moïse a été laissé dans le fleuve par sa mère, car elle savait que Dieu avait un plan pour son enfant, et elle confiait que Dieu le protégerait. Moïse a grandi en étant un enfant humble et simple dans sa procédure. De même, les enfants sont ceux qui servent Dieu. Malgré d'être vécu de nombreuses années comme un prince, il ne s'est jamais trouvé meilleur ou plus important que quiconque. Suivant toujours les orientations de sa mère et en ayant toujours le soin de se garder et faire tout ce qui était confié entre ses mains avec dévouement. Moïse ne se voyait pas en mesure de délivrer son peuple lorsqu'il fut appelé par Dieu parce qu'il se sentait incapable. Malgré tout, il s'est mis à la disposition de Dieu. Et il a persévéré face à toutes les difficultés qui surgissaient dans sa journée. Ce n'est pas toujours, les enfants, que nous sommes préparés pour affronter des situations difficiles qui surgissent dans notre vie. Cependant, c'est Dieu qui nous protège et nous aide à affronter et à vaincre dans les mauvais moments. Moïse était simple de cœur et il avait la crainte. Il était obéissant. Et il était fidèle à Dieu. Pour cela, les enfants, nous devons faire attention à nos attitudes et avoir de la crainte en faisant notre part pour plaire Dieu. Nous devons affronter ce qui nous cause la peur et ne pas nous laisser être influencés par ce qui est mauvais devant les autres, uniquement pour qu'on ne se sente pas exclu. Les enfants, c'est à travers la foi, la confiance et la persévérance en Dieu que nous vainquons tout, toutes les situations qui arriveront dans notre vie, telles comme Moïse. Et pour cette raison, il a été un bon leader et honoré par Dieu. Et cette leçon ne pourrait pas se terminer sans que je vous donne une suggestion pour que vous appreniez encore plus au sujet de cet héros de la foi. Et si vous profitiez de ces moments à la maison pour réunir toute la famille et faire une partie cinéma avec pop-corn? Regardez le film de Moïse et profitez pour partager entre vous ce que vous avez admiré dans l'exemple de Moïse. J'espère que vous avez aimé cette leçon de plus. Que Dieu vous bénisse à tous et à la prochaine.